La première, c'est que, comme disait Godard, la télé, c'est 5 minutes pour les nazis, 5 minutes pour les juifs. C'est très compliqué de démonter, comme j'ai essayé de le dire en parlant de ce que disait Le Pen, la rhétorique de l'évidence par quelque chose qui tienne debout. C'est vachement compliqué. Répondre en une minute à une obscénité d'évidence d'une minute, je connais peu de monde capable de le faire. Deuxièmement, sur les formats dont vous parliez, on y travaille depuis un an et demi. On avait déjà essayé de faire quelque chose lors des élections présidentielles qui s'appelait « Quelques grammes de laïcité dans un monde » et où on avait, ça s'était pas mal passé, on a eu beaucoup de vues sur ce que nous avons fait. Et la troisième chose qui était la plus importante, je l'ai oubliée, donc je vais passer la parole à toi. Excusez-moi, c'est drôle. Oui, en fait, non, mais ce qui est intéressant, moi je suis venue dans les classes, j'ai écrit ce livre pour ça justement, donc le principe du livre c'est qu'il est court, qu'il y a une bibliographie très importante dans tous les sens, dans plein de domaines différents à la fin, et que je suis partie de l'idée, justement puisque c'est ce qui intéressait énormément les afro-féministes, qui de fait, comme elles sont coincées, il y a des sujets, c'est pour les blancs, donc on ne peut pas y aller. Il y a des sujets, c'est sur les noirs, mais du coup, c'est pas sympa de dire des trucs pas sympas sur les noirs. Donc elles n'y vont pas non plus. Donc il reste les cheveux. Et donc, alors vraiment, le sujet du cheveu, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit, très bien, on va partir de ça, donc de l'appropriation culturelle avec quelqu'un qui me demande d'avoir un avis sur les cheveux, et d'essayer de dérouler ce que c'est, qu'est-ce que c'est un noir, puisque tout le monde a l'air de savoir ce que c'est. Donc de partir de ça et de regarder, parce qu'il paraît que les noirs courent vite et tout, ils font plein de trucs très sympas, et à chaque fois de dérouler et de proposer des choses autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut penser et justement quel est le déplacement possible. Et ce livre-là, moi je l'ai écrit pour pouvoir me balader avec, et c'est ce qui se produit, c'est-à-dire là je suis venue, je ne fais que ça, c'est-à-dire aller voir les enfants, alors des tout petits, donc j'invente des appareils en fonction des classes, pour qu'on essaye de réfléchir ensemble ailleurs, et justement qu'on sorte du binôme, soit tu es dans le groupe, soit tu es hors du groupe. Mais c'est quoi le groupe? Donc une fois qu'on a commencé à questionner ça, il se passe des choses. Alors parfois il se passe des choses intéressantes. Donc dans sa classe, par exemple, il y a une petite, parce que je les mets en situation, donc je coupe la salle en deux, je dis vous êtes noir, vous ne l'êtes pas, moi je suis blanche, donc je suis géniale, mais j'adore les noirs aussi, enfin bon, donc on essaie de l'avoir autour de ça. Et en fait, à un moment, il y a une petite jeune fille qui était, on sentait que ça coinçait, mais elle n'arrivait pas à dire... Donc elle s'est prise, parce qu'à un moment je parlais des paniers de basket qui ont fleuri là où j'étais, parce que c'est bien connu, les noirs adorent le basket. Et donc là j'étais sur cette question du basket, et elle on sentait qu'elle était en bug, hein. Ça faisait déjà un bout de temps qu'elle était énervée. Et je pense qu'elle était typiquement jeune fille, blanche, plutôt bourgeoise, plutôt dans l'idée qu'elle est vachement ouverte d'esprit et que elle aime tout le monde et c'est ça qui est bien, elle est pour que les femmes soient libres dans leur choix. Et donc, elle était là sur cette histoire du panier de basket, elle m'a demandé pourquoi je stigmatisais. Donc on est parti sur cette histoire-là. Mais en même temps, c'était intéressant parce que, comme en fait on sortait du cadre et que tout le monde était sorti de sa propre couleur, parce que j'avais donné des couleurs aux gens comme ça, du coup, elle a été quand même obligée de sortir de sa rhétorique qui était « moi je suis une blanche ouverte, donc tu ne peux pas dire ça des noirs ». Mais en même temps, elle était embêtée parce que je suis noire, donc techniquement... Voilà, et c'est ça aussi, c'est que je me suis dit, eh bien, puisqu'on est dans un temps où chacun doit parler depuis sa maison, je vais te donner la maison, et ensuite je vais retirer chaque mur, et on va regarder ce qui restera quand tu n'auras plus de mur, et qu'il y aura juste toi et moi. Donc c'était ça le sujet, et effectivement, on essaie de cheminer autour de cette question-là, en disant, maintenant que j'ai posé en plus cette couleur, donc je ne vous dis pas que je ne suis pas noire, je le suis, et maintenant je vais vous demander ce que c'est un noir. Et donc, globalement, on est quand même obligé de constater que personne n'en a aucune idée. Et Dieu merci, si je puis m'exprimer ainsi dans un lieu laïque. On va dire le last-up, parce que j'ai 15 minutes dans la rue.